Je suis partie d'Albi, j'étais tout bébé, j'avais un mois. Et j'ai grandi, comme dit Maxime, on choisit pas toujours les trottoirs de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Moi, j'ai choisi ceux d'Alger, justement. En tout cas, mes parents avaient choisi ça. Et on habitait dans une rue vivante de ces gens qui descendaient le soir avec leurs enfants, qui allaient, on les entendait, la vie bruissait, il y avait un cinéma, c'était juste magnifique. Et ce cinéma, il avait pour propriété de se refléter dans ma chambre. Et donc je voyais défiler les titres de films, d'où peut-être mon amour pour le cinéma aussi grand. Je voyais s'afficher comme ça à l'envers, les néons qui clignotaient. Et puis pendant que moi j'observais ça, il y avait deux êtres qui tentaient de s'aimer. Deux êtres qui évidemment n'étaient pas du même bord, puisque l'un était algérien et l'autre était française. Et que vous imaginez bien qu'en 1965, eh bien, il y avait du foin partout. Il continuait à y avoir du foin parfois, mais il y avait beaucoup de foin à l'époque. C'était compliqué. Eh bien, n'empêche que ces deux-là, ils ont trouvé le moyen de tout contourner. Parce que l'amour est plus fort que tout. Rue de Bussy, Ben et René, le soir.